Je m'appelle Noam Robay, j'ai 25 ans et je pratique le breakdance depuis environ 8-9 ans. J'ai commencé à danser, au début j'étais un peu timide devant les gens, tout ça. Petit à petit je me suis lâché, ça l'a fait. C'est aussi mon père qui m'a beaucoup aidé à avoir confiance en moi. Il a énormément de prestance, de charisme et c'est exactement ce que je veux transmettre dans ma danse. Ça a toujours été lui qui était derrière moi en me disant « Mon fils, je sais que t'en es capable, j'ai confiance en toi, tu peux le faire. » Il n'y a rien de plus beau. Et à partir de là, quand ton père te dit ça, tu te sens simplement pousser des ailes. C'est ça qui me rendait fier. Je suis tellement fier de lui et il m'impressionne tellement que je veux forcément l'impressionner jusqu'à ses derniers jours, quoi qu'il arrive. Même à 40 ans, je voudrais faire quelque chose qui dise « Waouh ». J'ai juste envie qu'ils disent « Waouh, mon fils, je suis fier de toi, simplement. » Et c'est pour ça que moi, je suis son fils et je me dois de suivre ses pas. Il est là-haut et je voudrais toujours être là-haut. Même plus haut encore. Je sais que ma danse, c'est une danse très animale, très explosive. C'est entre le lion et le gorille, c'est très énervé, c'est en même temps la fluidité, mais l'énervement, le dépassement de soi, tout est possible. Assumer, c'est la plus belle des choses. Quelqu'un qui assume, on peut rien lui dire. S'il y a du travail derrière, s'il y a de l'acharnement, s'il y a de la détermination, on peut faire des belles choses. Et je pense que tout le monde est capable de faire des belles choses. Faut juste en avoir l'envie et vivre ses rêves en fait simplement. Yeah, she ballin' like a Mike J. Need a 100 grand, I told him we'll walk away. 100 with me and they shooters like they in the paint. Do it for my city, feeling like a Mike J. Oh, catch me ballin' like a Mike J. Need a 100 grand, I told them all I'll walk away. 100 with me and they shooters like they in the paint. Do it for my city, feeling like a Mike J. Not a one to get played. Tell me what you were saying. I don't mess with these legs. Run this money up fast. Now I feel like you can't. Sort of my way. You don't got time to be standing too stored up. I'm coming too fast. Told them I'm coming to get it, dog. If you not first, then you last. I'm on the road and I'm pushing my whip and I'm revving the max. Thought it ain't too good for me, dog. I swear that I'm getting it back. Just keep ballin' like a Mike J. Need a 100 grand, I told them I'll walk away. 100 with me and they shooters like they in the paint. Do it for my city, feeling like a Mike J. Pra
semana vou comprar um sítio. Coqueiro tá bonito lá na beira-mar. Essa semana vou comprar um sítio. Coqueiro tá bonito lá na beira-mar. C'est quelqu'un qui apprend à se connaître. Il n'y a quasiment jamais de lâcher prise. Je veux toujours être dans le contrôle, dans le truc très énervé. C'est pas un truc que je fais souvent, parce que je pense qu'au fond, il y a une petite partie qui n'a pas forcément confiance en fond. Et quand on est trop dans le contrôle, on est peut-être moins dans le kiff. On peut bouger comme on veut, il n'y a pas de gestes précis, il n'y a pas de règles établies. On peut même faire les choses les plus bizarres au monde, ça apportera toujours un truc, un certain cachet, un certain charisme. On a toujours des trucs à travailler, on a toujours des trucs à trouver et dépasser les limites parce que, honnêtement, je crois qu'il n'y a pas de limite. Hein. M'a dit il y a bien longtemps, la passion c'est quand tu ne peux pas faire autrement. Il y a des prises de risques. Parce que c'est un combat avec le sol, simplement. Mais c'est ça qui est beau. Et quand on y arrive une fois, deux fois, trois fois, c'est là où on se dit putain, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Putain, sérieux, c'est vraiment quelque chose quoi. C'est des choses qui font super peur. Et c'est ce qui nous fait kiffer, simplement. Il n'y a rien de plus beau, c'est la vérité. Yeah, y'all, it ain't nothing but a party going on down here. We all the way live, RJ skating ring, and as you can see, it's just absolute pandemonium. We got RJ Detroit on the wheels of steel, and we got all the sexy ladies out here. I'm seeing so many foxy ladies. I'm seeing all the fellas, they got their gold chains on, they got their PR card in, they got their members only jackets on. And right about now, y'all, we got a special guest for you tonight. All the way live, they done been on tour with Y'all Burn Peoples and Peaches and Herd, and they got a fat new track coming out. And they came all the way down to RJ D2's skating ring, y'all. Give it up for the wonderful Mr. Percy Miracles, assisted by NeNe Rogers. Come on. So everybody, I want you to just get on out on the floor. Put your roller skates on and let's go round and round and round and let's get down. No time to wait. Yeah.
I wish you would come home with me. Sounds so sweet, huh? Cause I'm Teddy Bobby on the microphone, and RJ is gonna move your feet, huh? Now everybody's out on the dance floor, and I can see that you're feeling great, huh? So come on, party people, don't be ashamed. Everybody, come on and let's roller skate. You wanna have some fun? Don't let you know. Don't let you know. That we the number one. Come on, y'all. Oh, y'all, it's so beautiful down here at RJ Stingray. Wanna thank y'all for coming out. Thank y'all. Come down next week. Next week we have Eugene Wild and O'Brien doing this classic edition of you and I, y'all. Down here at RJ Stingray, where it all goes down. It's feeling so beautiful. I'm surrounded by 20, 30 beautiful women, and they all wanna have my cheering. Yeah. Au début, on se dit vite, c'est beaucoup trop compliqué. Et simplement, je me suis dit, faut que tu danses. Et là, je commence à prendre confiance en moi. Plus je prenais confiance, plus je devenais déterminé et je devenais assidu dans mes entraînements. Et je pense qu'il y a un moment, faut passer par là. C'est pas on est à 900%, c'est on est à 1000%. Et si on fait pas les choses à 1000%, on sera jamais là-haut. Rester plus de 2-3 jours sans danser, je crois que je suis vraiment amoureuse de ce sport. C'est ça qui est fort. Il fallait que je fasse un truc, il fallait que je danse, forcément.
veux te mettre dans le break à 1000%, tu dois passer par la prise de risque. Faut vraiment se déconnecter et se dire, mais Noam, tu vas y arriver, quoi qu'il arrive. In flames, a million miles from home, I'm walking ahead. I'm frozen to the bones. I am a soldier on my own. I don't know the way. I'm riding up the heights of shame. I'm waiting for the call, the hand on the chest. I'm ready for the fight and fail. J'ai jamais vraiment montré ma personne très calme parce que je suis quelqu'un de sensible. Au fond, je pense que j'ai confiance dans ce que je fais. Laisse-toi aller, laisse-toi faire et franchement, kiffe, kiffe. Et ça, c'est magnifique. La détermination, c'est se dire je suis capable, quoi qu'il arrive je suis capable, c'est exactement ça. Une vibe en moi, c'est un truc de malade. Au fond, tu te dis, quand ça se passe comme ça, honnêtement, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Là, c'est quelque chose de magnifique.
c'est vraiment de l'amour. C'est l'amour de ma vie. Le break, c'est simplement l'amour de ma vie. Y a rien de plus à dire. Hein. Sinon, on se casserait pas le corps comme ça. Tu vois ce que je veux dire? L'amour du break. J'aime le break. Voilà.